Alors bonsoir Bertrand. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, 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 bien. Dis-moi, la journée était? Non, la journée était. Je me bats, la journée était quand même. D'accord. Alors Bertrand, je peux te poser deux petites questions? Oui, allez-y, allez-y. Dites-moi, chacun d'entre vous a une go, non? Ok. On n'a pas la go. Tu rentres chez toi, tu trouves que ta femme a battu ta mère. Tu réagis comment? Maître. Pour moi d'abord, je veux connaître que quand tu dis un gars là, c'est la femme ou bien c'est la gars. Parce qu'il y a deux sortes de femmes dehors. Oui. Il y a ma femme qui a la maison que j'ai faite d'enfant. Hein? Oh il y a ma copine dehors. Donc ça dépend de la question que tu me poses. Tu n'as quand même que beaucoup de gens et peut-être en avant voir la vidéo, non? Ok, ça c'est pas, c'est pas la réalité. Ok, disons celle qui a la piole avec qui tu as doulé Mouna. Yeah, tu sais là-bas que c'est ma mère, c'est vrai, mais il faut chercher là-bas la solution, le fond. Eh, tu vois là, on ne va pas. Parce que la mère des enfants. Les enfants là sont tout, sans, avec les mères. Moi-même, c'est ma mère, mais gars, ne va pas gâter la relation qui est réelle. On va gâter tout. Hein. Gâter. Mais la femme que tu aimes de tout ton cœur. Tout mon cœur comment? Ça peut pas être de tout mon cœur. Oui. Ma mère d'abord. La matière. Ma mère a plus de valeur qu'elle, donc elle ne peut pas se permettre de. Non, non, il n'y a pas deux choses à réagir. Ma femme va vraiment porter sa part de bastonnage. Donc il n'y a rien à réagir parce que la mère, on a une seule mère. On peut avoir plusieurs femmes, mais on a une seule mère. Celle qui nous a porté 9 mois, on a une seule mère. Donc ma femme, même si ma mère, elle-même va recevoir. Même si à un moment donné, ça m'énerve, on ne se sait pas même. Ta maman, on ne se sait pas. Non négociable. Non, on ne négocie pas, on ne se sait pas. C'est trop grave. Elle mérite la mort même. Parce que comment tu peux taper? Vraiment, tu sais, la mère de l'homme, c'est comme Dieu, vraiment. On ne touche pas. Non, ça c'est une réaction que tu ne peux pas d'abord déterminer, le genre de réaction que tu aurais. Mais à ma place, je vais d'abord savoir ce qui s'est passé. Comme mes frères ont dit, ils ont tout dit, tu vois un peu. Je cherche d'abord à regarder d'abord le fond du problème, parce que c'est d'abord la priorité des choses. Connaître le fond du problème. Et si je vois là où le tort vient, je vais punir la personne sévèrement, mais d'abord je rejette le tort à les deux personnes. Parce qu'ils ne doivent pas faire ce genre de choses. Quand nous sommes déjà une famille, nous sommes une famille. Soit nous sommes ensemble, soit nous ne sommes pas ensemble. Il va savoir ce qui s'est passé. Avant de commencer à réagir, il va savoir ce qui s'est passé. Et quand tu sais ce qui s'est passé, tu fais comment? Je cherche à besoin qui a tort. Si c'est ma femme qui a tort, on a les grands problèmes. Moi, je vais check avec la go. Jésus! La chaîne ne doit pas toucher ma rémé. Tu t'intéresses la go? Ok, la sanctionne, papa. Parce qu'elle ne doit pas jouer avec ma rémé. Tu vois, non? Elle ne joue pas avec la rémé. Même à Bok 9 mois. Oui, même si Langa a raison, non. Je vais d'abord chouer que c'est ma rémé. Et sanctionne la rémé, Langa là, il la sanctionne bien. Il est dans un micro fier, même que. Parce que si elle a touché. C'est le stone. Et une fois. Et je ne paye rien. En fait, je ne sais pas, non. En fait, je ne peux pas dire vraiment ce que je peux faire à l'instant parce que ce n'est pas la situation. Mais moi, je m'imagine un peu. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas tolérer. Ça va être quand même. on va finir avec elle. On va finir avec elle. Non, fais tout, mais ne touche pas ma mère. Fais que je finis avec toi. Là. On ne part même pas trop loin. Je te tape là. Tu finis, tu pars à l'hôpital. Et qui va aller dépenser à l'hôpital? I don't know. Ça me concerne plus. Alors là, tu n'es plus du quartier? Non, je suis plus du quartier. Ok, c'est ce que tu dis, le style chacun. Ouais. Big love à la matière. Big love. Ok. Mom. Imagine que tu sois marié. Et tu es en train de rentrer du boulot, ta mère étant chez toi, tu trouves que ton mari a copieusement battu sur ta mère. Tu fais comment? Battu. Ouais. Lui donner le coup de poing. Il va seulement nous taper une deux jusqu'à nous tuer. Oh, tu cherches même pas à savoir pourquoi? Il va seulement nous taper une mère. Donc tu arrives seulement coup de poing. Non, pas coup de poing. Il me tape comme il a tapé ma mère. Alors, ah s'il a blessé ta mère, il te oui, blesse aussi. Oui, il me blesse aussi. Ok, c'est trop de l'offre pour la maman. Fais un bisou à la mère, non? Petit bisou à maman. Je sais qu'elle va me fâcher, mais je ne sais pas comment. Mais je sais qu'elle serait fâchée. Et quelle sera votre réaction? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous allez faire du coup? C'est important, moi, celui. Bagara avec vos commandes? Ça, la force, c'est ça?
Il n'y aura pas deux solutions. Je vais demander à ma mère de sortir d'abord de la maison. Hein, maman? Après, maintenant, je vais... Qui a d'abord tapé ma mère? Ça dépend d'abord. C'est ton mari qui a tapé ta mère? Mon mari, mmh. Ok. Étant donné qu'il n'y a pas deux parents, mais il y a beaucoup les hommes dehors. Oh. Donc, je demande à ma mère de sortir. Je brûle la maison avec l'homme là-bas dedans. Il meurt parce que s'il ne peut pas taper sur la femme qui m'a accouché, impossible. Quand tu as brûlé la maison, tu sors. Oui, dis-nous. Justement, je mets le feu dedans, je le ferme là-bas dedans, j'ouvre tout ce qui est incendie, tout ce qu'on peut inflammer, tout ce qui est inflammable là-bas. Il brûle, il meurt. Tu as la force de faire tout ça sans qu'il ne réagisse. Je vais appeler mes frères parce que moi je suis une fille et je ne peux pas me défendre face à un garçon parce que même si je commence, il va me taper. Donc pour que ça soit facile, j'appelle mes frères. Vous savez que mes frères vont toujours venir. Il va mourir là-bas dedans. Tout ça c'est pour ta mère. Yeah, yeah, bisous. Bisous. Ça veut dire que tu aimes beaucoup ta mère.